Alors Noroto, leader du centre auto en France avec 380 points de vente, dont 110 exploités en franchise. Donc le principe, le concept du centre auto, c'est un magasin et un atelier de réparation toute marque. La compétence essentielle pour nous, c'est la qualité de contact que notre franchisé va avoir avec ses clients et avec ses équipes. Donc à savoir une qualité de manager pour animer une équipe d'une dizaine de personnes et évidemment la relation qu'il va savoir mettre en place avec ses clients. Donc clients et un business avant tout de proximité, donc cette proximité dans la relation qu'il va devoir développer aussi. Les conditions d'accès au réseau sont évidemment accès à l'enseigne, à la marque, au travers des droits d'entrée, donc 20 000 euros, ça correspond aux droits d'entrée. Un projet de création de centre auto, c'est approximativement 400 à 450 000 euros, donc ça nécessite un apport personnel de 100 000 euros. Alors les étapes d'intégration d'un franchisé dans le réseau, elles sont essentielles pour nous. On s'accorde dans un premier temps à vraiment s'assurer que le franchisé a envie de faire ce métier et que d'autre part, nous en tout cas, on l'évalue comme étant franchisé potentiel. Donc les étapes, ça va être d'abord une classique réunion d'information au cours de laquelle on va lui présenter le concept. On va lui présenter aussi notre approche en termes de sélection de sites, puisque l'ensemble des sites qu'on va lui proposer seront aussi validés au préalable par l'enseigne. Ensuite, on va le mettre en relation avec notre réseau de manière totalement libre, c'est-à-dire qu'il va pouvoir rencontrer autant de franchisés qu'il le souhaite. Nous, on lui demande un minimum de 2 franchisés avec lesquels il va pouvoir justement échanger sur la vie au quotidien et du fonctionnement d'un centre auto en franchise. Donc ça, c'est la seconde étape. Et troisième étape, stage d'immersion au point de vente pendant 4 jours en relation là aussi avec les clients, avec les équipes. Bien évidemment, on ne va pas mesurer à cette étape son savoir-faire, mais surtout ça, la qualité de relation, comme je le disais tout à l'heure, qui va être capable d'instaurer entre lui, les clients et ses collaborateurs. Le choix de Noroto aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui le choix d'une bonne vingtaine de contacts qu'on valide, hein, donc en vue de l'ouverture de leur projet. On est aujourd'hui sur une stratégie de développement qui est dynamique. On ouvre une dizaine de centres par an, ça a été le cas l'année passée, ça sera encore le cas cette année. On est aujourd'hui l'enseigne qui ouvre le plus hein, dans le domaine de centre auto. Ça s'appuie sur notre expérience, hein, c'est plus de 40 ans d'expérience de l'enseigne. Ça s'appuie également sur la qualité de la relation qu'on a réussi à mettre en place avec notre franchisé et la qualité d'accompagnement. On a une équipe qui est 100% dédiée à nos franchisés, une équipe de 35 collaborateurs. En amont bien sûr, au travers de la sélection, la formation, la partie travaux, merchandising, et ensuite tout au long de cette partenariat qui va s'instaurer entre lui et nous, au travers de l'information commerciale, au travers de l'information financière, donc tout cet accompagnement qui fait la force du réseau Noroto aujourd'hui. L'actualité du réseau, elle est dynamique. On a ouvert depuis ce début 2017 4 centres. On a donc, comme je le disais, plus de 4 centres qui sont prévus d'ici septembre prochain. Alors on a évidemment des rendez-vous annuels avec notre réseau. On parlait de proximité, c'est une qualité, je crois, qui nous est propre et forte. On se retrouvera début mai avec l'ensemble de nos franchisés à l'étranger, à Rome, pour cette année. Donc un événement important en tout cas, un événement de partage et d'échange.